Bonjour Maïla. Bonjour Mariam. Alors aujourd'hui, on va parler de cette BD qui s'appelle Mitsuko. Trois grands mots qui me viennent en tête quand j'aborde cette BD, c'est vraiment la beauté qui se cache dans plein de petites choses. C'est très poétique et surtout, ça a un côté nostalgique. Et en fait, on va suivre le personnage de Mitsuko, qui est cette jeune fille qui, on l'apprend très vite au début de la BD, a perdu sa maman et qui est très silencieuse. Et ce personnage est assez étrange du premier point de vue, car tout le village raconte plein de choses sur elle, mais elle ne dit pas grand-chose. Et on la voit comme un personnage étrange, car on veut la voir fouiller dans les poubelles, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle est toujours en train de vagabonder dans les rues, et son père, avec qui elle vit, est très bourru, un peu, on le voit un peu comme un brusque qui a l'air d'être carforestier. Et donc, le personnage est très entouré de cette aura de mystère qu'on ne comprend pas. Et donc, le village se fait vite une opinion assez négative en répétant à tout le monde que c'est une fille bizarre, qui est étrange, ils se moquent d'elle parce qu'elle fait les poubelles et on ne comprend pas. Mais très vite, un petit garçon du nom d'Oscar va se faire ami avec elle. Et donc, on va avoir le premier point de vue d'une personne qui va commencer à l'apprécier. Et toute l'histoire est racontée par la maman d'Oscar qui vient s'installer dans ce village et qui révèle un peu la beauté de Mitsuko parce qu'on apprend le jour d'une foire qu'elle veut s'inscrire à cette foire pour pouvoir faire un peu brocante et vendre des choses. On se rend compte qu'elle a un atelier et elle pratique en fait l'art du kintsugi, qui est en fait cette espèce d'art où il faut rapiécer pardon, les poteries avec de la colle et de l'or. Et elle a appris ça de sa maman. Et donc, c'est vraiment, enfin, c'est une œuvre magnifique. Le dessin est très beau et très doux. On nous emmène dans ce petit univers avec Mitsuko qui est vraiment douce et sublime, et elle finit en plus par s'ouvrir et parler avec la maman d'Oscar. C'est vraiment une lecture que je conseille à tout type d'âge, pas uniquement aux enfants, mais c'est vraiment une ode à l'ouverture et au self-love, on va dire, et surtout à ne pas juger quelqu'un sur la couverture du livre.